Les gars, combien de temps d'absence là? Ah, deux semaines au Churchill et au privé. Voilà, faudra juste. Non, Churchill, j'étais une fois, deux fois. Ah, ah, deux semaines au privé et un petit peu au Victoria, je crois. Ah, deux semaines au privé. C'est, allez, donc, ah, attends, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet de la soirée, quoi. Quatre fois. On garde ça pour un autre live. C'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, les gars, c'est self-control, retour sur un self-control avec des invités. Owen, tu as grossi. Merci. C'est le seul truc que tu as remarqué. Merci Genouévé. Merci pour tes 10 pour les dire. Oh, on dirait pas ça résonne. Ça résonne pas. D'habitude, hein. Ils m'ont quoi? Il n'y a rien dans mon nom en plus. Bah. Non? Ah, c'est parce qu'on a refermé. Et vu qu'il est toujours cassé, et c'est rare qu'il soit tout fermé. J'en sais rien, je suis pas maçon, frère. Je sais pas, je pense. Est-ce qu'on peut voir les autres angles? Ah, les gars, il y a une petite nouveauté. Petite nouveauté pour le self-control. Deux. Ouais, elle est pas en 60 FPS. Bah, on dirait qu'il y a moins d'FPS que d'habitude. Peut-être petite nouveauté. Oh putain, il y aura ah, une. Mais je sais pourquoi. Pourquoi? T'as pas branché la cam en haut. Non, la cam, elle est branchée sur la table directement, ouais. De contrôle. Ah, en fait, les gars. Oh! Les gars, oh, il y aura des. Incroyable! Il y aura des gros plans durant ce self-control. Donc, on va avoir des réactions au plus proche. Ça va bouger! Ça va bouger. On va faire venir les invités, comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, c'est un self-control. Le but, c'est que nous avons deux invités aujourd'hui, Boussif et Fares. On va leur poser des questions, on va leur parler un peu de comment ils sont arrivés sur Internet, s'ils ont des projets, qu'est-ce qu'ils font, nanani, bref, voilà. Ils vont se présenter un peu. On va poser des questions, pourquoi tu t'es embrouillé avec Vermine et tout, plein de questions cool et tout. Oui, plein de trucs comme ça. On va parler un peu de tout. Et au fur et à mesure de l'interview, des questions, etc., il y aura bien évidemment des happenings et on va devoir garder notre self-control. Celui qui perd son self-control, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met une baffe. Voilà. Profite. Celui qui perd son self-control, il prend une gifle dans la gueule et voilà. Si vous voyez des gens perdre leur self-control, n'hésitez pas à le spammer, à le dire dans les messages. Si on n'a pas vu, parce que des fois on va être... ouais. Un nouveau plan de caméra, monsieur. Oh putain, je crois qu'il y a un nouveau plan de caméra. Attendez, il y a peut-être un nouveau plan de caméra. Nous avons une vue. Bon, oh, il n'y a pas un dézoomé où on voit tout d'en haut. Ça peut être masterclass. Il y a même un plan du dessus. Ok, c'est bon, nickel. Ok. On fait rentrer Fares en premier. Allez. Ça fait plaisir. Et les gars, en fait, merci à tous ceux qui ont commandé les maillots. On l'appelle? Tu peux l'appeler quand tu veux. Ok. Je remercie les 1000 personnes. 1000 maillots ont été vendus. Mmh. Voilà, c'est sold out. Il n'y a plus de maillots. Et je suis super content. Donc, je tenais à vous remercier. Vous allez bientôt les recevoir. Ne vous inquiétez pas. Ainsi que les cinq conventions, tout ça. Vous allez tout recevoir. Ne vous inquiétez pas, voilà. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, les gars, nous allons accueillir Fares, monsieur Fares, Salvatore. Fares de Milan. Les gars, le self-control. On a commencé. Le self-control. Le self-control. Ça va les gars. Ça va commencer. Au moins. Les gars, ça va pas commencer! T'as blessé Safine! Elle m'a blessé déjà! Il y a déjà le clip TikTok! C'est quoi ce mouchoir? Safine, il y a beaucoup de mouchoirs, les gars! Pour, c'est moi quand je me mouchais! Ah. Ok! Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien! Mais au moins, c'est la meilleure entrée du self-control! Merci! Au moins, t'es dans le thème! Merci les gars! J'espère que voilà, vous avez compris dans quelle direction on va aller! Voilà, j'espère que toi t'as compris! Parce que moi, j'espère que vous avez compris! C'est déjà! Ah, c'est toi! Allez! Alors! La porte, merci de la fermer. Je m'assois où? Je m'assois où? Je m'assois où? Ok. Juste là. Je m'assois où, les gars? Vous avez pas précisé? Ok. Voilà. Merci. Attends. Ok. Ouais. Ok. Merci les gars. Merci. Merci les gars. Comment qu'ils vont le chat? Ça va? Là on est où? Là on est bien. Attendez les gars, avant de prendre votre petite photo, parce que je t'explique. En fait, sur les self-control, il y a une petite trend. Okay. C'est qu'à chaque fois, en début de live, ils prennent un screen. Ils prennent le screen quand il n'y a rien, et à la fin de live, c'est genre le bordel. On refait un screen à la fin de live. On attend Boussif. D'accord, oui. Donc attendez avant de prendre vos screens. Les mecs, je vais mettre une petite musique
pour l'entrée. Déjà, merci Faref. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Vu qu'il a lancé un bac dessus, le micro est bizarre. Attends. Merci. Ah les gars, sérieux, c'est pas trop ça. Attends, qui marche pas. On est où, les gars? Après, c'était pas prévu. Moderna. Moderna. C'est bon là? C'est bon là? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Pas ouf la qualité. Attends, je sais ce que c'est. Désolé. Désolé. Ça, ça claque. Attention. Ah, j'étais là en plus tout à l'heure quand il a refait ça. Ah, tu te coupes tous les combien de temps? Toutes les semaines, je crois. Il sait même pas, voilà. Toutes les semaines? Ah, vous êtes bien, vous avez le coiffeur à côté et tout. Mais attends, mais je comprends pas pourquoi des fois t'as pas de coupe alors. Allo, c'est bon là? C'est rare que j'ai pas de coupe. La qualité d'image, non, moi c'est pas. En fait, c'est un nouveau système de branchement, mais c'est que pour ce live exceptionnel. Mais après, je t'avoue, le coiffeur c'est un peu feignant de ouf. Ouais? Ouais, de ouf. En gros, s'il fait 16h, il va pas rester pour te prendre coupe quoi. Bah, il a juste allô, la flemme en fait. Il te dit demain. Est-ce que c'est mieux là? La table, là où il y a toutes les caméras branchées, tu l'as branché sur le PC? Tu l'as branché sur quel port? Est-ce que c'est un bon port? Sûr? Port bleu. Ah ouais, t'es sûr sur le port bleu? Parce que on dirait que les FPS sont réduits. Ou alors t'es pas... Je viens de comprendre. C'est pas branché sur le... J-Port USB? J-Port Mano. Est-ce que le son... Le son est décalé de l'image ou pas? Les gars, moi je veux commencer le live là! Moi je sais c'est quoi, je te dis, moi c'est le micro de la cam qui s'est branché. Non c'est impossible, je le vois, il est là, c'est le micro. Attends, le micro il est bien là? Ouais, y a tout qui est carré. Vas-y, mets le live en direct, faut voir Dan. Attendez, on va juger en direct si vous êtes des commentaires. C'est bon, y'a tout qui est carré. Non, mais c'est bon, il est bien là, ouais. Le son. Oui. Ok, on va juste monter un peu la caméra. Bien joué pour le prank, les gars. On va juste monter un tout petit peu la caméra et on fait rentrer Wolvermine. Comment allez-vous les gars? Bien et toi? Ça va, vas-y, on va faire un ni oui ni non. Là, tout ce qu'on se pose comme question, ni oui ni non, c'est bon? Vas-y. D'accord. Est-ce que t'es fatigué? Elle a été longue la route? Allez. T'es allé en boîte? Il me faut un petit carré. Comme si comme ça. Ça veut dire si comme ça. Ça veut rien dire. Il me faut un petit carré pour faire monter un peu la cam. Pose-moi une question. Vas-y, je te pose une question. Vas-y, je vais faire comme lui. Vas-y, ok. Attendez les gars. Ah mais y'a le câble. Ah! Attendez les gars. T'as pris un bon billet en signant ton truc qui se porte? Ah c'est ça mon soupeu. Rien à voir si. Y'a aucune logique. Lève le clavier. Lève le clavier. Oh JP il a fait le trait de sein. Elle a fait le trait sur le sourcil. Elle a fait le trait. Son sourcil est plus qu'il fait. Ah ouais? Genre dans 5 jours c'est fini. Non j'ai pas en face. Non y'a vraiment un sourcil qui pousse vite. Maintenant on peut commencer. Et maintenant on fait rentrer Boussif. Attendez. Boussif. Attends. C'est bon, tu peux rentrer. Boussif. Comment allez-vous, monsieur? Ça va, Hamdoulaye. La musique. Ce live, ils sont sans âme, les gens. Ouais. S'il vous plaît, insultez-nous pas, arrêtez les gens. T'es obligé de le dire là, parce que j'ai vu le live, c'est un fromage. On a rien fait. On a délit ta mère. Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Les gars, vous commencez à insulter les gens? Ah, je voyais nique ta mère, fils de pute. Tu vois, c'est quoi ça? On a. Non, ça défile, les achats. Là, t'es sur Kik. Ouais, c'est une communauté qui est différente. Sur un live où il y a 15 000 personnes. Regarde, tu vois, on va changer. Insultez tous JP pour ce qu'il a fait à Metz. C'est pas terrible, je vais changer de cible. Tiens, allez baiser tous vos mères. Personne ne va insulter JP. Allez baiser tous vos mères. Voilà JP, voilà JP. Je sais comment il accélère. Bon, bah, tu prends pas. Des robots. Bon, on va commencer par, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va, on va bien. Ça va, super, les gars. Maintenant, j'ai une autre question. Non, vas-y. Moi, je voulais... Vous connaissez pas le concept? Non, on connaît pas le concept. Ils ont pas regardé les images, ils veulent pas. Je leur ai proposé, je leur ai dit... Je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr de pas vouloir regarder? Ils ont dit non, nous, on aime tout ce qui est le bordel. Ils ont vu 2-3 clips de... C'est ça. J'ai vu JP qui s'est mangé de la balle de tennis. Ouais, j'ai vu une flèche aussi dans la tête. Ouais, j'ai vu... Après, j'ai arrêté de regarder. Ok. T'as pas vu le reste? Non. Autant tu sais, Boussif, tu es à la pire place.
C'est vraiment la pire place. La chambre, c'est pour l'entrée, je peux mettre là. Ça, j'ai plus de verre de chambre. Les amis, les amis, amis qui sont à l'extrémité. Non, moi je me mets là, suivant. Moi je me mets là. Tu me mets toi là. Moi je suis devenu très solide. Non, là. Ah ouais. Non, bah non, parce que. Ah, la fierté algérienne. C'est mon là. Ah ouais, c'est mon là. On va demander à la team, vous voulez que je sois là ou là? Ah, dans le chat, votez. Est-ce que vous voulez que Boussif se mette à la place de Staphine ou il reste ici? Extrémité ou intérieur? Non, vous dites. Vous dites reste ou vous dites déplace. Ou vous dites reste ou déplace. Reste ou déplace. Si vous dites reste, il reste ici. Si vous dites déplace, il dit déplace là. Reste. Reste. Oh bah on va vous écouter. Hein. Et je sais pas si où ça se touche. Mais c'est ça, je t'ai dit, c'est la réduction de bruit. Je te jure, c'est la réduction de bruit. Là, il a dit reste, fils de pute. Oh, t'as vu quand quelqu'un l'insulte? Normalement, dans les commentaires, insultez-lui sa mère. Le gars enregistrez-le, insultez-lui lui sa mère. On n'est pas des fils de pute, vous connaissez les gars. Là, quand il a dit il reste ou il part. Bah dis-toi, il y a 1 million de restes, j'ai retenu que reste fils de pute. Là, je le vois, il est en violet, on l'a, il insulte tout le monde. Il est en violet, il a dit. Il ta mère, ta gueule et tout ça. Il défonce. Ah, faites gaffe, il va trouver votre adresse. On de l'air, on va. Ta grand-mère. Je déteste. Ouais. C'est qui ces gens, ils existent, hein. Ouais, les gars! Vas-y, va venez! Ça arrive! Ah, les gars, laissez Boussif tranquille! C'était JP! Non, mais là, mais ça leur fait rire! C'est qu'ils disent ta gueule! Toi, c'est dangereux, nique ta merde! T'as l'habitude! Dans tous les commentaires, à chaque fois, t'as des trucs là-dessus! Insultez-lui ça, là! Là, en gros, ça. Là, ça comprend. Là, t'es en train de vivre ce qu'eux, ils vivent tout le temps! Ouais! Comment tu le vis? Est-ce que c'est dur? On a Inch'Allah, ils allaient en enfer, vraiment! C'est ça que je souhaite l'enfer parce que c'est. Tous ceux qui insultent, c'est... vous êtes des putes, okay. Les gars! Les gars, respecte! Ok, attends, je vais. Ah! Là, tu dis. Y'a que les bonhommes qui insultent pas, en gros! Ah, mais mettez tes jetés, mettez tes jetés! Ah, mettez des cœurs, les gars! Mettez, mettez des cœurs! Ah, mettez des cœurs! C'est le retour, on est là! On l'a, c'est qui se passe, ces gens? On l'a! Ouais, mettez des cœurs pour booster! Mettez des cœurs, regarde, vous l'aimez! Il va retenir que les mecs qui veulent l'insulter! T'as insulté ta mère, j'étais devant. T'as insulté ta mère. C'est violent. Eh, je vous aime, là je vous aime. On va là, bonhomme. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Bon, les gars, par contre, il y a une règle. C'est que pendant l'interview, il faut se mettre à l'aise. On est obligé de manger. Je vous ramène tout un truc à graille. Ah, vas-y, avec grand plaisir. Et nous, ici, la spécialité, c'est les céréales. C'est les boîtes céréales. Comme je t'ai dit. Vas-y, c'est bon, impeccable. Par contre, la table, elle est très petite. Est-ce que c'est pour mettre des rétas sur un. Moi, JP, moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Tu l'as vécu comment ce petit drama autour de boîte de nuit, tout ça, attaque et tout? Je m'en bats les couilles. Mais en gros, non, tu l'as vécu comment? Pas en mode le ressenti. Tu l'as vécu le comment ressenti, le truc que tu peux rien faire. Non, mais genre en gros, tu l'as vécu comment? Comment ça s'est passé réellement dans la vraie vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui était avec toi en mode oh, je t'aime trop JP et après il te l'a fait à l'envers en mode regarde ce qu'il fait JP? En plus, c'est une meuf. Ah, c'est une meuf qui te l'a fait à l'envers? Bah, okay. Elle vient. Moi, je suis en train de discuter avec deux personnes. Ok. 30 ans, l'autre, je sais pas. La personne, elle a 30 ans. Ouais. On discute du travail que je fais, ouais, ça se vit bien, oui, ça va. Donc c'est elle qui vient à toi. Elle vient, elle coupe la parole, elle vient. Okay. C'est pas un JP qui... Ah, j'aime trop sa fille. J'aime trop sa fille, ça fait 3 ans que je connais sur... Sa fille. Je demande rien du tout. Je vois, okay. C'est bien, je demande rien du tout. Okay. D'un coup, elle me dit, bah tiens mon numéro de téléphone, tiens mon snap. Tout seul, comme ça? Tout seul, sans rien demander. D'accord, ok, ouais. Après bon, m'envoie ça pour s'arrêter, je suis bien rentré, voilà quoi, d'accord, je suis bien rentré, tout va bien. Ouais. Je fais ma vie. Elle dit ouais, tu fais quoi à Nouvel An? Ah, je sais pas, c'est quoi toi? Propose quelque chose quoi en gros. Ouais, je sais pas, moi normalement je suis avec mes parents, et après c'est ça qu'il y a eu le drama. Okay. Elle a renvoyé tout à sa fille, vous voyez, machin chouette, tatatatata. Le jour là que j'ai connu, j'ai vu, il m'a comme il est bloqué, bah ça. Oui, c'est un menteur, c'est un menteur. Et après, tu l'as bloqué directement. Attends, t'étais là Moi, j'étais dans la peine. Non. Moi, je crois JP. Mais j'étais dans la peine. JP. J'étais dans la peine. On était en conférence. C'est du vent, JP. Je t'entends pas. On était en conférence. On avait notre téléphone. Non, on avait juste à se démute. On avait juste à se démute. On était en appel à 3. JP. Voilà, JP, moi, c'est un appel à 3. Dans ma vie, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, on en reparlera dans un prochain live. On en reparlera pas. J'ai pris des Kellogg's pour les gens qui ont des dons. Et ceux qui n'ont pas de dents, j'ai pris des trucs qui se mâchent, qui se sucent. Ceux qui n'ont pas de dents? Non, qui n'ont pas de dents dans la bouche. Dedans. Du lait, demi-écrémé. Tu veux ça? Ouais, c'est pas pareil. C'est
Bismillah. Toi, tu veux lesquelles? Pas trop bonnes, là. Je préfère ceux-là. Ouais, je préfère ceux-là pour le lait, mais en normal, je préfère ceux-là. J'y arrive, on m'a servi comme à la cantine, moi, les 4. Mais, tiens, vas-y, tiens. N'espérez pas la nourriture, les gars. Et la team, vous êtes plutôt céréales avant le lait ou céréales après le lait? Je propose quelque chose. Ouais, t'as bien envie de ta mère. Ah, attendez, je propose un jeu là. Maintenant tout de suite. Ah, gueule. Oh, on a qui sont trop marrants dans la putain de gueule. Il a dit, les gars, vous êtes plus céréales avant le lait ou après? Il a dit, de toute façon, ils vont dire nique ta mère. Ah, j'ai un jeu. Ah, j'ai un jeu, ça fait. Oh, non. Allez, c'est vrai, on doit tous prendre une céréale. On doit la jeter dans les airs. Et attends. Et ceux qui n'ont pas réussi à la mettre dans leur bouche, ils doivent se manger une tarte. Ta gueule. C'est bon, moi, ta gueule. Moi, je le fais. Ok. Attendez. Par contre, t'as choisi. Tu pas meurs, on apporte ta gueule. Je peux manger, grosse merde. Ok, vous le voulez, jeu ou pas, les gars? On va jeter la céréale et si on la rate, on doit se manger une tarte. Vous le voulez, jeu ou pas? Vas-y, bah, vas-y, on va regarder. Vas-y, juste ta gueule. Vas-y, bah, vas-y, regarde. Non, tu te fais faire ta gueule, je vais manger là, voilà. Attends. Ouais, j'en adore sur ce coup là. Ça fait quelque chose. Vas-y, ta gueule, nique ta mère. C'est la saturation. Il y a trop un plus de. Ça fait quelque chose. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je t'ai regardé. En tout début. Là, c'est bon là. Échauffement de monsieur Père. On réfléchit un peu de quoi. Ah, les gars, je peux rien faire. Voilà. Oh, je suis pas là. Allez, monsieur. Voilà. Ah, l'interview, elle a même pas commencé. S'il vous plaît, le public, asseyez-vous. Les publics, asseyez-vous. Il y a du vent un peu là, non? Hein? Il y a du vent un peu là, non? Échauffement. Il y a un peu du. Non? Ah, le sang. Il est comment? Le sang. Hein? Non, moi j'ai des spasmes un peu. En gros, en fait, depuis que je suis petit, j'ai des spasmes. Genre, je fais ça. Allume ma cuillère. Asseyez-vous, le public, asseyez-vous. Ouais, tiens, mes cuillères. Ouais. En fait, moi en fait, il y a un truc que je vous ai jamais raconté. Allez, t'arrives, des espaces. Comment vous parlez? J'ai des espaces. Combien de temps, monsieur Père? Monsieur Père, depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai des espaces. Et je fais pas exprès, en gros ça me prend tout seul, genre je contracte comme ça. Attendez, attends, il y a problème de son de ouf. Ah les gars, un problème de son. Ah non, il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Il y a un problème de. Fuck, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème de sang, ouais. Vous êtes en forme aujourd'hui, monsieur Père. Après, on va régler le problème du bruit, sinon. On va régler le problème de sang, parce que là, j'ai. Quoi, deux. Faute. Deuxième service. Il y a toujours un problème de sang. Ace. Voilà, attendez. Les balles, plus vite. Les balles. Attendez. Les balles. Attendez. Il a regardé. Ouais, ouais. Mais attendez, insupportable. Calmez-vous. Attendez. Wesh, attendez. Allez-y. Regarde. Ah, tu lui parles carrément. T'es pas prêt. La barre est grande, monsieur. Rien qui va. Moi, je vais me reparler à Roland Garros. Viens ici, dans les tutos en amateur. Mais c'est de la merde. Voilà. C'est pas la peine. Incroyable. Allez-y. Non. Ah. Mais non, mais. Ça n'a aucun intérêt. Il est en vrai. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas bien, Perpignan, en vrai. Ah, quand le bol, il a la casse les couilles. Il devait prendre sur lui, il avait. Ouais. C'est bon? Allez, vas-y. Bah, c'est bien, c'est. Au pied du match. Tiens, en vrai. Non, ouais, c'est bon. Allez, les gars, désolé. Allez. Moi, j'ai des petits. Voilà. Moi, j'ai vraiment. Il y a eu des. Là, je suis. Ah. Explosion de. Du coup, les frères, on va commencer l'interview tranquillement. Le deuxième service, ouais, très chaud. Là, je suis chaud, ça y est. Les gars, j'ai une question. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous avez fait commencer les réseaux? Ouais. On va commencer par vous. Voilà, service de côté. J'étais connu grâce à quelques bagarres qu'ils ont tournées. Voilà. J'ai peut-être m'insulter sur les réseaux. Voilà, Benoît. J'ai fait une vidéo où j'ai dit gaz le bichet. T'as
t'aimes ouais. pas du un policier, tout ça. C'est un niçois qui est de Nice, hein, qui est du ouais. incroyable. Ouais. Il m'a partagé beaucoup de fois, au Wanda. Ouais. Voilà, bonhomme, je le remercie. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui t'es là. Adil, grosse dédicace à toi, mon frère. Et ouais, c'est... Non, ouais, c'est... Grâce allez, monsieur père, allez. Ah ok. Oula la la la. Et... Grâce aussi à Yael, mon fils. Du tennis. Du tournoi Wimbledon. Non, non, après je fais des vidéos, j'ai rencontré Paris. Ouais. On a fait des vidéos ensemble et ça a bien. Ouais. C'est bien Mathieu. Ouais. C'est là où je l'ai fait. On fait des vidéos ensemble, on a fait une série vaillante ensemble. La mitraillette, monsieur Père, la mitraillette. La mitraillette. Oui. Oui, papa. Oui, papa. Problème de caméra apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah c'est bon, y'a rien. Ça y est, mais j'ai... Parfaito. Attendez, attendez. T'as quoi? Ouais, elle est arrivée telle un pélican. Je joue plus moi là, on a arraché le... Pourquoi tu joues plus? Ouais, je sais pas, on l'a sur le parole que j'ai la balle... Mais attends, comment ça t'as arraché? Y'a rien eu là, frère, d'accord? De quoi tu parles? De quoi tu parles, frère? Non, là. Quel jeu? Quel jeu? Ça vient d'où? Un interview là? Ça vient d'où? Ça ta gueule, je vais te faire! Ça fait mal, on a! Il s'est passé quoi? Oh ta gueule! Il s'est passé quoi, frère? Non, la caméra, ouais. Non. Je vais à peine te la rétablir, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon, hein. Attendez. Allez, monsieur Père, allez. Attendez. Qui? La caméra. Et t'as arraché la dent, t'as encore mal au cou. J'ai mangé un trésor, là, tellement il est sorti par le nez. J'ai pris là, ici, je vois. Tu veux pas te mettre là? Je peux pas, je suis présentateur. Ah, ok. Il neige, non? Il neige, c'est quoi ça? Il neige des balles de tennis. C'est toi, toi? Putain, j'ai oublié ça, c'était chez moi. J'ai plus d'ADN, j'en ai pas. Merci, tu peux l'affiner? Ouais, y'a pas de soucis, franchement. Bah, en fait, donc, en fait, toi, c'est genre pas bizarre internet. C'est pas genre. Ouais, pas être sur internet. Non, je voulais pas, moi je voulais être footballeur professionnel. T'as vu, j'ai filmé un policier, j'ai dit bah vas-y. Ouais, en parlant de footballeur professionnel. Bien, chaud. Bah, tu l'as aidé. Ouais, je l'ai été incroyable, mais bon, ils m'ont juste archi, ils m'ont pas payé. Hein. Fais pas. J'ai résilié mon contrat. Moi, comme tout le monde sait, j'ai des problèmes avec la justice. Ça veut dire. L'ASPIP, j'ai. Vous voyez, je suis à l'ASPIP, ils me demandaient des fiches de paye à chaque fois du club. Moi, je lui ai dit, mais ils me payent pas. C'est-à-dire qu'il fallait prouver que j'ai un contrat et que j'avais en gros une rémunération, mais ils me payent pas. Le pire c'est quoi? C'est quand ils ont commencé à me payer, ils m'ont payé en espèces. Ouais. Tu vois, je suis dans un terrain de foot, dans un terrain de schnouf. Et je pouvais pas moi déclarer. Et heureusement que mon spip suit les réseaux, et t'as vu le magistrat, le juge aussi, il a vu que je tapais sur internet que j'étais footballeur professionnel. Ça veut dire, ils m'ont cru, genre, tu vois, ils me payent pas, ils ont des problèmes de paiement, ils m'ont payé en espèces. Je dois te couper, mais truc de ouf, je pense dans le chat, tu sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Non, ils sont trop bien. Ah, t'étais chaud au foot, point d'interrogation. Ah, mais de toute façon, ils n'existent pas, Ronda. Nique ta grand-mère, Ronda. Qui est mon grand-mère. Par contre, moi je vous nique, Ronda, je vous nique tous, on va dire. Il a parlé, là-bas. Ronda, celui qui a su. Il a parlé, là-bas. Moi je vous nique. Lui, il a parlé. Ah ouais, pourquoi t'as parlé tout à l'heure? Ah bah vas-y, mais tu m'as dit que tu m'as dit. Normal, voilà. Ah mais t'es gentil. Attends, si tu mets des cœurs, ils savent, de toute façon, vous connaissez la puissance, voilà. Tu t'insultes et tout, mais pas, mais voilà, je vous jmère. Mais vraiment, 7 secondes, voilà. Voilà, c'est un jeu, là, on est venu jouer et tout, rigoler. Ah, voilà, les cœurs, voilà, eux, c'est... Ils savent. Voilà, je vous nique, moi, et tout le monde sait. Voilà. Tu m'as entendu, c'est quoi la grâce? Boussif, 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 boussif,
comme ça dans la vraie vie. Voilà. C'est la réaction que tout le monde a eue en... Les gars, tu... ceux qui mettent des cœurs, on l'a ensemble, vous savez de toute façon. Les réseaux, les gars, on l'a mettez des cœurs. Ah, mais Fares, insultez-le, c'est une pub, c'est un bizarre, les gars. Ouais, le rouge jeune, il se prend pour qui, ce gars? On l'a, insultez-le, les gars. Attends, non, mais viens, prends la table. Allez, les gars, respectez. Et toi, comment t'es apparu dans les réseaux, Fares? Moi, je filmais un peu mon quotidien dans mon quartier. Ouais. Après, ça partageait par exemple, mais après, je faisais des vidéos hard. Du genre. Est-ce que t'as envie d'en parler? Bah, c'est pas que j'ai envie d'en parler, mais c'est, t'as vu toi quand t'étais, conneries, ouais. quand t'étais avec tes potes, les conneries que tu faisais, et bah moi je les filmais, je les mettais sur les réseaux sociaux. Ah ouais, tu t'en foutais. Ouais, je m'en foutais vraiment. Pourquoi? Parce que pour moi j'avais pas percé. Ouais. Enfin, pour moi je faisais pas de vue. Ouais. C'était parce que quand je marchais dans la rue, je voyais le cousin de l'autre qui me disait oh bien tes vidéos et tout. Ouais. Mais il y avait pas vraiment une communauté, c'était pas comme maintenant les réseaux sociaux. Donc en fait, j'avais pas pris ce recul pour me dire ah mais en fait je suis suivi par plein de gens. Okay. Donc, tout ce que je faisais dans la vie toujours, je mettais sur les réseaux sociaux. Et bah justement, c'est quoi ce truc qui t'a. Comment tu l'as remarqué? Qui t'a fait péter, genre qui t'a dit ouais, ok, boum, là c'est une dinguerie. Non, moi, j'ai eu un élément déclencheur. Non, moi j'ai toujours fait plein de contenu. Ça veut dire, même quand on était avec Boussif, on a toujours fait en sorte de faire du contenu. Genre, on n'était pas là à rien faire. Mm. On disait pas, ouais, bah aujourd'hui on va manger. Ouais, bah aujourd'hui je viens de me réveiller. Ouais, bah aujourd'hui je vais aller faire du. Rien à voir, tu vois. Donc c'est tout le temps du contenu. On avait ce côté créatif. Ouais. À la fin, les gens ils ont grave kiffé. Parce que les gens ils étaient beaucoup sur les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Ouais, aujourd'hui on va aller manger un bout, aujourd'hui je vais voir ma famille. Et nous on faisait pas ça, on faisait plus du coup. Et aujourd'hui vous avez quand même. Comment t'as rencontré Boussif? C'était. J'ai fait. Je suis allé dans son quartier parce que moi j'étais branché avec son frère avant lui. Mon grand frère, force à lui, libérez-le, bande de pute! Libérez son frère, voilà! Libérez Barjo! Voilà, je sais qu'il est, il doit être dans le live, Barjo, libérez-le, voilà, Barjo. Bref, et je suis allé à la terre, j'ai pris. Il y a des gamins qui me suivaient aussi de son quartier, on s'est rencontrés. Bon là j'ai été vraiment marrant ce gars, t'as vu vraiment, il était... vraiment... Non, en gros, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment marrant parce qu'il était comme moi. Et je l'ai rencontré pendant la finale où l'Algérie ils ont gagné à la CAN. Ouais. Bon là, s'il y a des policiers qui font une enquête, bon là il achetait que des mortiers. Bon là que c'est vrai, il tire en mortier et tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était en 2019, c'est bon. Mais en fait à un moment vous allez voir, normalement vous avez les rushs, la police, de quand il y a une foule à tout Lyon qui court. Il était tout devant, c'est lui qui les dirigeait. Et là, donc, on a vraiment rigolé après. On est à Marseille ensemble dans une boîte de nuit. Il a dansé de l'entrée à l'entrée jusqu'à la sortie. Voilà. Devant les videurs, il dansait. Quand il est rentré, il dansait. Quand on est sorti, on est rentré à l'entrée. Non, c'est là où ça a été créé. Parce que quand on est rentré à l'hôtel, on est rentré tôt le matin. Ouais. On a déjeuné. Ouais. Mon mari qui s'est assis comme JP. T'as vu comme JP? Le gars de l'hôtel, le restaurant, il nous regardait comme ça. Je pense voir ce qu'on prenait à manger et tout. Et lui il disait quoi? Tu veux dire? Il disait ça. Yeah, je croyais là, allez. En gros, en fait, il fallait qu'on parle pour pas qu'il nous comprenne. Parce qu'il était assis là où il était. C'est devenu de là. Ouais. Ah, en fait, on était jamais assis là. Il était là à côté de nous, regardez ce qu'on prenait. Il comptait les trucs, il faisait ça. T'as vu, il voulait dire doucement là. En gros, il voulait nous facturer. C'était une gérée de merde, alors qu'on a payé l'hôtel, je comprends pas. Bon, là, il était posé là avec nous, il écoutait ce qu'on. C'est pour ça, on parlait comme ça, il y a que nous, on se comprend, et lui. Et c'était trop marrant. C'est votre première escapade à deux. Ouais, ensemble. Et on a tourné une série aussi. Ouais, une série aussi. Vaillante. Mettez des cœurs pour Vaillante, la team. C'est quoi cette série? C'est sur YouTube? Ouais, c'était sur YouTube. Ça parlait de quoi? Ça parlait, je sais pas, j'ai pas regardé les épisodes. Mais t'as joué dedans? Ouais, mais j'ai pas. Je sais que. Attends, moi. Je sais pas, j'étais des Turcs qui nous poursuivaient. Après, j'ai fait un combat de boxe. Non, Vaillante, c'est une histoire de femme. Et elle a bien marché en prison. Ouais, franchement, ils ont bien aimé les gens. Après, il n'y a pas eu de saison 2, puisque je crois que Forest il est mort, ou je sais pas. Bon, là, ça m'a tiré dessus le dernier épisode. Par contre, les personnes qu'on a rencontrées, Mirux et tout ça, et tout, c'est très bonne personne. Mirux, toute cette garde légonesse, des bons. On a vraiment bien aimé. Je savais pas que vous avez fait une série, je savais pas du tout aussi. Ah, elle fait des millions de vues et tout, ils connaissent normalement Vaillante. Moi, je carré aussi. Moi je suis pas Snapchat, je suis pas du tout Snapchat, etc. Moi je suis YouTube, Twitch et tout. Mmh. Première fois que je t'ai vu, j'ai entendu parler de toi, c'était sur Twitter. Polska. Et toi, c'est quand t'as fracassé un mec avec un maillot de l'OM. Ah ouais, j'avais un maillot, je t'aimais. Bah ce mec là, c'est. Bah regarde là, ma gueule m'a envoyé un message, mais je disais que c'était plein de militaires, parce qu'en fait c'est un militaire remplacé lui. Là. Ouais. Mmh. Et c'est le chef d'un régiment, je crois, vraiment. Là, il y a plein de militaires. On dit, ah tu sais que lui c'est mon chef là. Je vous explique ça ou... Pourquoi vous vous êtes battu? Parce que je vais t'expliquer gros, il y a un bus, les gamins de mon quartier ils ont bloqué un bus. Et le chauffeur de bus, ils l'ont bloqué comme ça, et moi je suis venu voir les gamins de mon quartier, j'ai dit vas-y barrez-vous de la route là, laissez-le passer, qu'est-ce que vous faites là?
Et moi, j'étais au milieu de la route quand j'ai dit ça. C'est-à-dire, les gamins sont barrés. Mmh. Et il y a ce militaire qui klaxonne en mode monstre. Oh, Bart, nous avons fait des mouvements de main. Moi, je dis, ouais, je suis excité, t'arrives, pourquoi tu fais ça? Il se met le frein à main, il descend. Et dans un quartier, c'est comment ça se passe, normalement? On te massacre à main. Et heureusement, il est tombé sur moi, un gars qui déteste la hagla. Je suis pas un haga, là. Bon, là. Et bref, il descend et tout, en mode monstre. Et moi, je faisais 59 kilos à cette époque. Et tout mon quartier, là, on l'a, qui est normalement, ça boule. J'ai dit, frérot, il y a ta femme et tes enfants, là, pourquoi tu fais le show et tout? Même sa femme, elle disait, arrête bébé, tu vas le tuer, en gros. Bon, là, elle était confiante. Justement, pas, il avait des bras comme ça. Et son fils, là, je dis à ton fils, il dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Bref, il fait le monstre, ils l'ont vu, les gens, la vidéo. Et t'es pas content, bah viens, on fait tête à tête. Il m'a dit, vas-y, viens, tête à tête, personne rentre. Bref, on a fait tête à tête, ça a duré 7 secondes. J'ai pas mis la suite de la vidéo, parce que, voilà, je suis en mode à dépôt. Mais à la fin, je peux dire qu'il courait, il dit, voilà, il courait, il dit ça. Ah, tu savais pas que tu faisais de la boxe taille, voilà, il tout essayé, ça parlait. Et j'ai plus jamais revu ce gars. Bon là je l'ai plus jamais revu. Ah, tu l'as mis. Ah, il a pas fait un message par rapport à ça, sa famille. Rien, sa famille, rien. Parce qu'il sait que c'est lui qui était en tort. Bon là c'était vraiment lui qui était en tort. Donc là, enfin, moi je respecte, il y avait sa femme, son fils, sa femme a dit arrête bébé, en gros, tu vas le tuer. Ouais. Il connaît pas ta force, mon bébé. Ouais. Ouais. Je l'ai mis devant sa femme. Quand il a vu ta tête, mon cerveau il a fait attends, peut-être qu'il cogne parce qu'on est 20, il a pas peur, il s'est mis en garde, il a un corps tout. Bon là il avait un vrai corps fighter, je te montre pas ça, machin là, il avait un corps de. J'ai regardé mes arrières, c'est jamais allé, mec. Non, mais après, j'ai confiance en moi. Dieu, il est grand quand t'es pas en temps, gros. Oh, t'as duré 7 secondes, voilà. Voilà, ça a duré 7 secondes. Attends, mais quoi, est-ce que t'as des regrets de l'avoir humilié devant sa femme et ses enfants? Voilà, j'ai pas de regrets parce que je savais pas que ça allait filmer parce qu'il a trop tellement fait le fou que ça m'a fait un bien. Voilà, il sentait vraiment. T'as vu, il m'avait avec ma queue de cheval. Voilà, tout le monde s'est dit, mais je vais le massacrer, lui. Et moi, ça m'a tellement fait du bien à la fin, tellement je fais ça. Dégage maintenant, T'es ma voix, je l'ai monstrue, je sais pas comment dire. T'es devenu un monstre. Vas-y, dégage maintenant. C'est ce jour-là que t'es devenu un homme. Ah là, ça va. Vas-y, porte. Il a mué ce jour-là. En plus, c'est plein dans mon quartier. Ils avaient entendu des bagarres de moi, mais ils avaient jamais vu. Il y en a qui étaient là, ils attendaient. Ça veut dire, mais toi, c'est une qui a filmé. C'était un vicieux. En cachette, c'est dire, là, c'est le moment. Malheureusement, voilà, ça. Au contraire, elle m'a mis bien cette vidéo. Ouais, mort, il l'a posté. Non, en gros, il l'a posté et elle a tourné partout. Après, moi, les gens, ils demandaient si c'était moi dans cette vidéo et j'ai remis dans ma story. J'ai dit, ouais, c'est bien moi là. Après, j'ai mis plusieurs fois, je trouve. Et t'as pas eu de problème, par contre. Si, j'avais une fiche de recherche pour cette vidéo, pour Gaz de Big Show. Ils ont tout regroupé. En 2019, grosse course poursuite, ils m'ont rattrapé et je fais deux jours de garde à vue. Il était dans un arbre et ils lui ont fait des guillis pour qu'il tombe. Ils m'ont interdit clairement et tout. Non, ça j'ai inventé. Ça, c'est vrai. Et bref, interdit clairement, interdit les réseaux pendant 6 mois. C'est pendant ce temps-là que Fares est allé au Mexique quand j'étais interdit les réseaux. Ouais. Et... Non, parce qu'il était sans toi. Non, parce qu'en fait, il a pas interdit quitter la France. En fait, faut savoir que Boussif, en gros, à chaque fois que je vous proposais pour qu'on aille dans des pays ou autres, comme là par exemple, on peut aller dans d'autres pays. Ouais. Mais en fait, on peut pas parce qu'il est interdit de quitter la France. Pendant combien de temps encore? Ça fait 2 ans là. Là, normalement, ça se finissait là en 2024, mais ils attendent encore les papiers en gros de ce que je faisais de janvier là jusqu'à là, la preuve que je travaillais. Ça, en gros. C'est-à-dire là, ils ont pas. Je suis toujours interdit de quitter la France. J'ai été 3 ans aussi interdit de véhicule à moteur. Ouais. Et voilà, et Chaban. Allez, tu l'as vu? Tu l'as vu? Allez! T'as vu regarder à droite? Ah, t'as regardé à droite? Archam, j'ai dit à moteur. Non, parce que. Je voulais dire quoi? Et vous, Safine, bien la Coupe du Monde, clairement. Par contre, attends. Par contre, c'est un truc qui va être intéressant. C'est que quand son truc, il va s'enlever, quand on va pouvoir voyager dans les autres pays, ça va être intéressant. Vous allez où? Comme d'habitude, s'il te plaît. Moi, j'avais une question. Ouais, tu vois, j'ai payé. Dégradé, à blanc. Si tu dois changer quelque chose dans ton parcours, c'est quoi que tu changeais? Si tu dois changer quelque chose dans ton parcours, c'est quoi que tu changeais? Dans mon parcours, c'est quoi que je changerais? En vrai rien parce que c'est ce qui fait que c'est ce que je suis maintenant tu vois. Mais si je dois tu pourrais changer ou améliorer quoi. améliorer le truc pour que ça pète encore plus. Non, en fait de vrai si je devrais améliorer quelque chose, c'est d'avoir plus d'argent pour investir plus dans la prod pour faire des meilleurs contenus. Bah, mais changer en tant que mon passé ou truc comme ça, non, ça fait partie de ce que je suis maintenant, tu vois, donc j'ai rien à changer. Mais au début, tu disais que tu savais pas qu'il y avait autant de monde qui te regardait, c'est à quel moment que t'as remarqué que justement. Ouais, des grands américains à blanc, c'est à quel moment? À quel moment? Quand il est allé en vacances ou quoi? On va en vacances. Moi, j'ai regardé Boussif. Non, mais moi, je regardais Boussif. Viens. Doucement, viens.
tu m'as mis gratuite. T'as dit quoi toi ce jour, mon ref? Ça va, hein, c'est quand on va en vacances, c'est ça. Les nouvelles là? Ouais, oui, c'est quand on va en vacances et tout. La terre elle est plate. Ah, en fait, c'est quand tu sors de ton quartier, tu te rends compte que t'es connu. Mais non, tu racontes pas. La terre elle est plate. Et quand t'es sorti, genre ça t'a reconnu. Abusé. Ok. Ah, attendez, j'ai une question à vous poser. Vous aimez bien vous faire reconnaître et tout dans la rue ou pas? Ça va. Genre t'aimes bien, moi je suis jamais tombé sur des... Genre est-ce que ça te procure du bien de te faire reconnaître et tout? Bah moi ce que je me suis dit, moi j'ai mes couilles. Non mais ça n'a rien à voir, est-ce que t'aimes bien? C'est pas question de... En gros, t'aimes bien la notoriété, c'est ça? Non, c'est pas la notoriété. Parce que la notoriété, tu peux l'avoir, quelle est générale. C'est moi, j'ai dit, le meilleur coiffeur d'Europe. Mais est-ce que t'aimes bien, quand tu marches dans la rue, quand tu sois seul avec ta famille ou rien à voir, les gens ils te reconnaissent, t'aimes bien ça? Je te partage tout le temps, moi c'est... J'aime bien ça quand je suis avec ma famille. Il y a des moments ça me dérange, il y a des moments non. Voilà frérot, j'aime trop ce que tu fais. T'es un coiffeur de fou. Eh oui, ça c'est des coupes. Mais carrément, carrément tu mérites de coiffer tout le monde, Christian. Et toi t'es bien? Attends, et toi t'es bien? Attends, et toi t'es bien? Parce que je me barre. Et toi t'es bien? Moi j'aime bien, mais attends, moi je te fais pas. Non, moi j'ai pas ce que mon plat il explose. Ouais, y'a personne qui me fait. Oui, je sais. T'as capté? Ouais. Vraiment, moi j'ai galéré. Ça m'est jamais arrivé, y'en a, ils font les bons. T'as vu, genre, ils donnent un anneau. Voilà, t'es fou. C'est que des. Après, ce que ça me lance, après tout le monde me dit. Eh oui, oui, oui. Attends, mais là je me rends compte de ce qui se passe là. Attends, mais attends, tu te rends compte de ce qui se passe? Attends, là je suis en train de me rendre compte de ce qui est en train de se passer. Attends, mais c'est un truc de vous. Attends, pourquoi tu le fais? Ouah, le besoin pour ça, 50 000. 50 000 euros, tu sais pas où je le mets? Pas en dessous, ouais, zéro. T'es à un niveau de fou pour deux semaines. 50 000. J'avais pas compris qu'il se passait ça. T'as compris? T'as compris ce qui se passe? Ah, avant, je faisais. Voir quand t'avais compris, tu regardes dans la cour. C'est quoi ça? Ah, t'as écouté ça? Ouais, les comptes sont mieux. Ah, ça va. Coupe américaine. Là, tu vas voir, là, tu fais les quoi? Là, vous avez un paper. Ah, t'as un paper? Un paper. Tu sais, je connais pas, moi, ça va pas, je le fais. Ça allait bien, ça? Ouais. Il dit que ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Et ça c'est les cheveux que j'avais sur le côté, ça. Ouais, ça c'est déco, tranquille. Mais voilà, t'es trop fort, mon frère. Mais voilà, t'es le meilleur coiffeur du monde. Ça se bat les cheveux en ce moment. Oh putain, t'es peur, je te fais un taper. Mais voilà. Oh, c'est gros. Regarde, la caméra. Moi, je voulais le même. Tout ça, ça sert à rien. Le même taper que Cristiano Ronaldo. Enfin, des cheveux. Ah, venez, on gagne le maximum de cheveux. On doit remettre à JP. Ah, venez, il y a la colle. Mais voilà. Ah, il y a la colle. Ouais, JP. Ouais, JP. Ah, enfin. Ouais, j'ai envie de serrer. Ah non, moi c'est une question, vous avez combien d'abonnés en tout sur Snapchat? Oh, Snapchat, je peux te les montrer. Voilà, là. T'es trop... Oh putain, un million, je crois, non? J'ai 1 400 000. C'est des coups de fou, ça, c'est pas encore sorti en million. T'as passé le million. Y'a que toi qui le fais. Et on savait pas? Non, y'a que moi, ouais. Frérot, voilà. Mais quand ça va démarrer tous les millions, hein? Je pense qu'il fait encore un KO. Comme une petite vidéo de KO. Qui parle mal dans les commentaires, je le tiens de sa mère là. Ça met ta face caméra. On dirait pas une boulangère qui va nous servir dans la bouche, hein. C'est pas normal. Ça. C'est pas madame, je vais prendre deux baguettes s'il vous plaît. Ah, non, mais problème, tu le fais. Non, tu peux en faire aussi. Tu peux en faire et. Ah, ça Attends, dans son cas. Ouais, dans son cas après. Ouais, dans son cas. Je ferai pas après. Là, et sa famille va choquer tout là. Bien rond, pas comme la tête. Moi, j'aimerais trop voir et tout là. Ouais, moi, j'aimerais trop. Ça me démange. Ben, mange-toi une baffe. Ça, je m'en fous. Trop chaud, voilà, t'es le meilleur coiffeur de France. C'est un truc de ouf. Ah, c'est comment? C'est moi, c'est de ouf. S'il te plaît, regarde. Regarde. Moi, j'ai jamais douté de toi, je te dis la vérité. T'es le meilleur coiffeur de France. Ah, regarde, aussi. Carrément, j'ai même pas envie de voir la rémoire. Est-ce que vous avez eu des gros dramas sur internet? J'ai même pas envie de voir la coupe tellement ça me sale. Moi, moi je suis le chef du drama. Moi je suis une valeur sûre dans le milieu. Mais oui, mais moi je sais, tout le monde m'a conseillé. J'ai jamais raté, tu veux m'appeler. C'est quoi ton plus gros drama? Ouais, tu peux l'appeler. C'est quoi ton plus gros drama? C'est quoi alors à peu près là, je ressemble à qui là? C'est quoi l'hélicoptère? C'est quoi l'hélicoptère? L'hélicoptère, vidéo tout nu. Je sais pas, y'a personne derrière. Ah ouais. Ah là, ça va, j'ai la coupe en personne là. T'as vu en fait? Là, il y a que moi qui l'a là. T'as vu? Moi, je le vois chaud. Non! Ah, ça va, il y a que moi qui est beau comme ça. C'est quoi? Hein? Tu peux C'est quoi? Voilà, je vais aller au travail. Tu veux pas chez frère? C'est bon, c'est bon. Ouais, t'es trop bien. Un autre gros, il y a eu. En vrai, vous avez pas vu la coupe.
Le Polska et ça, ouais. Ah, je fais mal un peu, mais ça va. C'est tout. J'en ai un autre. C'est battu au Mexique. Attends, j'ai regardé ça un peu pour ta story, frère. Je peux passer dans ta story, frère. Ah, de... ah, franchement, non. Je t'ai battu au Mexique. Non, c'était une bagarre rude. C'était une bagarre chaude. Expliquez, c'est pas battu avec. Là, je suis chaud, là. Là, t'es comment chaud, là. Là, j'ai la coupe que personne n'a, Zerma. Vas-y, regarde-toi. Va voir un peu dans le combattant. Combien la coupe, j'imagine? Non, français. 25 euros. 25 euros la coupe? Mais carrément, je te donne 5. Je te donne 50, moi. Regarde, moi, je te donne 50. Sur ma mère, je suis. T'as vu le week-end, là? Ouais. Ça vaut le coup, alors. Il avait la même. Vas-y, bah, rien. Comme ça, la même. Ouais. Moi, j'ai une barre. Mais là, cet angle-là, ça, c'est pas le week-end. C'est. The weekly, c'est la semaine là. Arrête, c'est... y'a personne toi, qui l'a toi, celle-là. C'est la semaine. Lui c'est le week-end, toi c'est la semaine. Je suis le seul en Europe qui a ça. Toi c'est juste The Week. Voilà, je suis trop bon. J'ai pas regardé. Ah merci, c'est rien. Voilà, c'est le meilleur. Voilà, t'es le meilleur. Voilà, t'es le meilleur coiffeur du monde. Voilà. Vas-y, allez, vas-y. À toi, frère. Allez, viens. Faut que j'aille la descente, j'suis dans le jardin des îles, Emily veut me oh oh, mais c'est embêtant. Là j'suis trop indécis, j'ai le nuage en jaune.